Sonia Roland, retour gagnant, elle cartonne avec Tropic Criminel sur France 2. Depuis la fin de son règne en tant que Miss France 2000, Sonia Roland a su se reconvertir avec succès à la télévision, en tant qu'actrice. Séduisante commandante de police dans la série Tropic Criminel, l'ancienne reine de beauté a une nouvelle fois offert de belles audiences à France 2 et une position de leader. Le 19 février 2021, Sonia Roland a fait son grand retour sur France 2 dans la série Tropic Criminel. Un véritable carton pour la chaîne qui s'est tissée en tête des audiences avec une moyenne de 4,38 millions de téléspectateurs et 19,8% du public selon Médiamétrie. Dans cette série, l'ancienne Miss France interprète Mélissa Sainte-Rose, chef d'une section crime qui tente de résoudre diverses enquêtes policières aux côtés de l'actrice Béatrice de la Boulay, dans le rôle de Gaëlle Crivelli. Très reconnaissante de l'accueil qu'ont fait les téléspectateurs à Tropic Criminel, la maman de Tess et Kaina a tenu à remercier son public sur Twitter. Merci aux téléspectateurs, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Il faut dire que dès la première saison diffusée en 2019, Tropic Criminel a immédiatement connu un immense succès. L'année passée, le premier épisode de la série avait d'ailleurs rassemblé près de 4,27 millions de spectateurs, 19,1% du public. Un exploit lorsqu'on sait que TF1 diffusait en même temps son émission phare Mask Singer en prime time. Avec de tels scores, France 2 avait ainsi pu enregistrer des performances inédites grâce à une série française. Dans cette seconde saison, Gaëlle Crivelli revient travailler avec Mélissa dans la brigade après 5 mois d'absence pour cause de burn-out. Les deux femmes vont devoir composer avec leur caractère fort et résoudre de nombreuses enquêtes en Martinique. Mélissa va également devoir gérer le retour du père de ses enfants qui tentera de la reconquérir mais qui finira par craquer pour sa collègue Gaëlle. De vrais défis pour ce duo déjà incontournable de France 2. Les téléspectateurs pourront retrouver de nouveaux acteurs tels que Arié Elmaleh, qui interprétera l'ex-mari de Mélissa, Marc Grosi. Alexandre Brasseur, déjà vu dans les séries Demain nous appartient et Alice Nevers, ainsi que Nadège Bosson-Diagne, ancienne actrice de Plus belle la vie. Sonia Roland est également l'invitée spéciale de Bernard Montiel dans l'émission Une heure avec, sur RFM le 20 février 2021 à partir de 12h.